Bonjour les amoureux du bois, bienvenue chez moi, dans mon atelier. Aujourd'hui, pas de vidéo dans mon atelier. On va se rendre dans le village chez un menuisier qui s'appelle Michel. Et on va découvrir quelque chose. Je vous propose de me suivre. On y va? Il a de la chance qu'il a tenu celui-là. Hein. Il est un peu petit encore. Ah, mais j'espère qu'il tient. Bien, alors, mets-toi là, Michel. Alors, je suis avec l'artisan du village, Michel Valla, qui tient la menuiserie artisanale à Bure, dans le village où j'exploite, où je travaille. Et puis, lui, je vous fais la différence entre un tour traditionnel, comme j'ai, puis un tour vraiment automatique. Alors j'ai demandé à Michel parce que je me permets, Michel, de prendre le morceau de bois qu'il reçoit et il en fait pour une rambarde d'escalier, c'est ça? Balustrade. C'est une balustrade, voilà. Alors tu peux me dire ton tour, il a quel âge? Une vingtaine d'années? 75. Que tu l'as acheté en 75, 25, 35, 45, 48 ans. Non, c'est pas du tout. Oui, mais t'as beaucoup modernisé, t'as remis plein de trucs dessus. En 92. En 92. Ah, en 92. L'avantage de faire avec un tour comme ça, c'est qu'on a toujours les pièces qui sont régulières au millimètre. Oui, c'est toujours identique. Toujours identique, oui. Ouais, mais t'as fait combien de temps que tu fais avec cette machine, Michel? Ça fait 92, toi. Ça fait 92 que tu fais. T'as modernisé quoi? Le principe de feu? Non, oui, qu'est-ce que t'as modernisé? J'ai modifié l'avance ici. C'est bon, ça, ça n'était pas. Ah ah. Ce tableau-là, il n'était pas. Tableau électrique, donc, de commande. Oui, parce que moi, je n'avais pas ici, toi. À 4 vitesses, toi. Oui. Avant, je n'avais pas ça, j'avais un variateur ici, ouais. Pour aller plus vite, moins vite, mais tu ne pourras pas régler les, comment je veux dire, les états. En allant sur des trucs fragiles à tourner ici, ouais. Je ne pourrais pas ralentir, tu comprends? Il allait à la même vitesse. Ça, toujours à la même vitesse. Donc, pour moi, s'il passe trop vite là-dessus, ben, ça pète, ça fait tout le boulot. Ça allait trop vite. D'accord. Et m'explique-moi maintenant. On a là, ici, un patron, en fait. C'est un gabarit. C'est un gabarit, oui, de copiage. Alors, en fait, tu le fais d'après... Je vais le filmer après, ça. Ça, c'est un gabarit de copiage que j'ai effectué avec une baluste existante. Voilà. Une vieille.
Ils t'ont donné la pièce. Le modèle. Tu l'as coupé par la moitié. Ouais, ouais. Et ensuite, après, tu l'as reproduit. Ouais, ouais. Et puis après, tu l'installes sur ta machine. Ouais. Eh, mais c'est un boulot technique quand même. Hein. Ouais, bien sûr. C'est un boulot technique. Ça se fait pas en 5 minutes, ça. Puis maintenant, le tour ici, on en a parlé avant ce matin, on a déjà parlé ce matin, c'est que ça a eu tendance un peu à vibrer. Comme c'est sûr, c'est tendance. Parce que c'est long. C'est long, et puis disons, tu ne peux pas tenir avec la lunette. Du fait qu'il y a ce carré au milieu, ça ne va pas. Oui. Parce qu'il ne peut pas tout enlever d'une passe. D'accord. Il y a trop de bois enlevé. Puis maintenant, la pression qu'il y a entre les deux, on m'a dit ce matin. Ça reste à peu près 100 kg. C'est à peu près 100 kg, donc c'est effectivement. Si le bois a une petite imperfection, comme ça, ça pourrait être c'est dangereux. Clair, si, pas. Si tu le comprimes trop, au moment que tu enlèves du bois milieu, il devient un peu souple. Oui, oui. Il vibre, parce qu'en milieu, il est dégagé ici, toi. Oui, donc oui. Il devient mince, et ça peut faire comme ça. Mais ça vibre un peu. Oui, oui. Vas-y seulement. Espérons que ça lâche pas. Hein. Ah, tu peux y aller. Ça me détend moi. Ah, oui. Regardez. Voilà le gabarit qui suit. Les étapes qui sont là sont reproduites. Il a 30 mm ici, 30 mm pour que ça soit précis, quoi. Ouais. Pourquoi précis? Il faut que ça soit précis ici parce que ça vient, comment je dis, après il vient couper de longueur, et après il vient emboîter dans un trou. D'accord. De 30 mm, quoi. Pour la rampe d'escalier, en fait. D'accord. Il faut qu'il soit précis. Si tu perds ça avec une mèche de 30, il faut que ça aille juste dedans, quoi. Oui, ça marche. Après, tu ne fais pas la finition. C'est ceux qui t'ont commandé qui font la finition, la peinture, etc. Ah ben bah oui, moi je fais que de... D'accord. Que de faire les balustres. Ah, mais c'est le plus important. Ah, ça s'appelle une balustre. Une balustre. C'est d'accord. C'est pas moi qui fais la finition. D'accord. Et tu dois en faire combien, Michel? 50. 50 pièces. De côté touche là, hein.
Ah oui, ça fait mal, hein. Faut que les gars. Il y a du métier, Michel, hein. Tu l'arrêtes complètement, Michel ? Ah, je pense que là, pas du tout pour moi. Il y a encore un petit peu, quoi. Il y a encore un peu à penser, quoi. Ouais, mais dis, c'est déjà pas mal, hein. C'est parfait. Regarde, tu peux en penser ici, toi. Encore. Ici, toi. Ah, très peu. Ouais, ouais, un petit peu. Ça fera un peu. En tout cas, Michel, c'est super. Franchement, j'adore voir ça. C'est des métiers qui... Mets-toi là seulement. C'est des métiers qui... Est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui font ce que tu fais là ? Oui, ici, moi, je connais pas beaucoup. Hein. Ah, pas beaucoup, hein ? Dans la région, je connais pas. Je connais réellement pas beaucoup de personnes. Quoi. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte ? T'as quel âge ? Sans te demander de discrétion. C'est... Tu n'es pas une dame, donc tu peux y aller. 78. Il a 78 ans, ça fait combien de temps? Ça fait tout le temps de ta vie, c'est la deuxième génération. Depuis 13 ans que je travaille, j'ai commencé à travailler avec mon père. Ouais. Imagine. C'est la deuxième génération en fait. Oui. Ouais. Tu ne peux pas t'arrêter en fait, t'aimes le bois toi. Hein. Toi quoi hein? Mais t'aimes, mais il faut dire la vérité, c'est pas grave. Mais né là-dedans et puis moi... Faut t'aimes ça. Voilà. On fait ça par plaisir et puis toi, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que tu en penses à l'avenir? Le bois va revenir à la mode? Ouais, le bois se perdra jamais. À mon avis, le bois restera toujours à la mode. Je pense aussi. Il y aura toujours à faire dans le domaine du bois. Hein. On a parlé à un moment donné, on a parlé hors caméra du plastique. Ouais, mais le plastique. Plastique, est-ce que c'est l'avenir ? C'est un dérivé du pétrole alors maintenant. Est-ce que c'est. Hein ? Est-ce que c'est l'avenir ? Puis maintenant le plastique, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu verrais ? Si tu étais jeune maintenant, tu referais une maison. Avec du bois, bien sûr, mais est-ce que tu privilégierais beaucoup plus du bois, tel que les fenêtres, les volets? Ça se fait plus, les volets, Michel. Oui, ça se fait encore en alu, maintenant, beaucoup en alu. Mais dans les chalets, ça se fait encore beaucoup en bois, les volets. Oui, oui. Ouais. Mais au niveau de l'intérieur, de la vie, de la cuisine, tu fais aussi des cuisines. Dans le temps, tu as fait des cuisines qui étaient en massif. En massif, oui, les faces en massif. Et maintenant, maintenant, c'est des faces. Ça n'aurait pas tendance à revenir. Maintenant, c'est plaqué, stratifié. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ou bien mélaminé, hein. C'est pas mélaminé, bon, voilà. C'est ça. Si tu devais rechanger, recommencer ta vie, Michel, où tu proposerais à des jeunes, proposerais de refaire ce métier de menuisier? Moi, ça m'a toujours plu, le métier, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais préconiser de le faire, ce métier. Oui, ma foi. Il faut aimer le bois, il faut aimer la matière. Il faut aimer le bois, ben c'est clair. Pénible aussi. C'est un métier manuel. C'est un métier qu'il faut que ça plaise. Et puis c'est un métier qui commence à être pénible, que ça vient pénible. C'est... Dans la menuiserie, maintenant, il faut travailler en tout cas minimum à deux, à tout seul, tu ne peux pas. Or ici, on est dans l'atelier de tournage, mais de l'autre côté, là-bas, c'est l'atelier de menuiserie. Quand un jour, peut-être, on fera un reportage là-dessus. Ça peut être intéressant. En tout cas, Michel, je vais te remercier. Il n'y a rien à remercier. Non, c'est vraiment... Moi, je suis dans mon petit tour, je suis dans mon petit monde. Mais j'aime voir... Je suis déjà venu plusieurs fois vers toi discuter ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours intéressant. Moi, j'ai un frère qui est menuisier, Philippe. Ah oui. Hein, il a fini l'apprentissage chez toi. Et puis, on est toujours resté...
J'ai donné du travail, ça fait plaisir de pouvoir... J'ai toujours eu du plaisir de travailler avec toi, j'ai toujours fait... j'ai eu ton père, moi, je me souviens toujours comment je veux dire... fait plaisir, je pense, avec le boulot que je t'ai fait. Ouais. J'ai toujours été satisfait. Ouais. En tout cas, je te remercie infiniment, Michel. Puis ça me fait plaisir de faire une vidéo avec toi. Regardez qu'on te voit bien. Merci, Michel. Extra. À bientôt. Merci. Alors, nous voilà retour dans mon atelier. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo chez Michel. C'était un riche moment pour moi de voir comment on peut travailler à grande échelle. J'adore ce qu'il fait. Il a un âge, comme il vous l'a dit, 78 ans. Je crois qu'il est encore amoureux de son métier comme il a l'âge de 13 ans. C'est tellement beau à voir. Il aime cette matière qui est noble, qui est le bois. Et comme il dit des fois, les gens ont tendance à revenir un petit peu au bois naturel dans les maisons, sur les tables, pour c'est de notre bois, de chez nous. C'est vraiment agréable. Ah, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et partagez. Mettez-moi un pouce. Comme ça, je sais où je suis. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.